Allez, on refait tout ça. Je peux pas m'empêcher. Sébastien, te voilà. Te voilà. Tu m'as promis une explication sur ce qui s'est passé aux trois balais. On peut pas faire passer. Les élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Porte-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Allons sauvegarder aussi pour ne pas avoir commencé toutes les 5 secondes. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière, tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Je sais pas si sauvegarder, ça vaut quelque chose. Oh mon dieu, comment j'ai failli rater ça. Parce que moi, je trouve ça juste trop marrant. Que j'ai failli rater ça. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Pas le temps, alors dépêchez-vous. Et vous faites déjà récupérer la feuille? Ouais, c'est bon, ça compte. Elle est là. Allez, préfet, bouge, bouge. Ça compte pas. Ça compte pas, la feuille est toujours là, comme si je l'ai jamais vue. Seb. Viens, Seb. Oh non. La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris.
Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole, crois-moi. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Le livre... Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Ok. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Incendio. Ok, on l'a plus. Silencieux comme la mort. Ok, on y va. On l'a pas. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Rebellio. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Alors, pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, je vais pas récupérer non. Là. On a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Il ne doit pas nous repérer. Attendez. Les Vioso. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palo en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Leaves, n'essaie pas. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Réparons.
sûr, des traces de magie ancienne. Et ça, c'est des lunettes argentées. Cette pièce cache quelque chose. Là, on a vu... Attendez. Parce que je crois qu'il y a un truc intéressant... ici. La dernière fois, c'était des lunettes argentées, mais là, je crois que c'est un truc bien. Celui-là, je crois que c'est un truc bien. Non, c'est nul. Let's go. Je suis revenue monter. Je suis revenue prendre un truc nul. Why not? Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Alors attendez. Moi je propose qu'on sauvegarde ici. Ok. Je sais pas si ça a un sens de faire ça. Parce que si ça se trouve, quoi qu'il arrive, si tu échoues... Tu recommences à zéro. Voilà. I'm scared. I'm scared because I know I'm going to lose. C'est nul, c'est pas possible. Où peut-elle bien mener? On re-sauvegarde. Je suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Ok, dernier essai, les gens. C'était censé aller vite en plus. Bon, bah, j'ai bien fait de sauvegarder. Un truc que je fais jamais. Je vais juste tester si ça marche. I'm so afraid of you. Des gardes. C'est pas surprenant. Come here, baby. Come, come. Okay.
j'ai très très mal géré ce combat. Une seule potion. Ah, laisse-moi sauvegarder. Est-ce que ma jauge de magie... C'est si dur. Ok. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? À ta mort. Elle mène à ta mort. Sauvegarder. Ok. Qu'il y a un passage ici. Juste parce que, en fait, ça veut dire que là, je pouvais récupérer ce coffre, en fait, ici. Thank you.
Ok. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Excusez-moi, je sauvegarde toutes les 5 secondes, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Allez, on respire, tout va bien. Il n'y a aucune raison de paniquer. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Que si je fonce, je peux juste entrer. Je pense pas, hein. Mais je pense là, ça va me remettre ici. C'est là que ça va me remettre à l'autre. Hein. Donc on a juste 4 potions. I'm so afraid right now. Ok. Protego. Je panique en fait. Ok, j'ai très mal géré parce que j'ai beaucoup paniqué, mais j'ai pas fait beaucoup de protégo, j'ai fait beaucoup de... Ce n'est qu'un livre. Mais mec, ce n'est très certainement pas qu'un livre en fait.
vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Quête terminée, les secrets de la réserve de la bibliothèque. Let's go! Retourner dans la salle de classe du professeur Fig. Laisse-moi sauvegarder, bien sûr, avant que je n'aie refaire cette quête immonde. Et au cas où si vous posez la question, c'est parce que je suis en difficile. Hein. Sinon, je pense que tout ça, ça serait fait beaucoup plus facilement. J'aurais pas eu besoin de faire de stratégie ni quoi que ce soit. Un livre mystérieux. Un livre ancien que l'on pensait perdu. Je peux plus tout récupérer. Il y avait une tenue super bien aussi. Ah.
Ah, je pensais que c'était le même ennemi à chaque fois, mais non. Ok, on a vu tout ça. Tome et tribulation. Rendre le livre au professeur Fig. Ok, on va finir ça au moins. Oh mon dieu, mais c'est hors de question en fait. D'ailleurs, on n'a plus de tenue d'école. Hein. On a juste plus de tenue d'école. On va aller vendre tout ça. Après, en vrai, maintenant que j'y pense, bon, c'est une tenue absolument pas correcte, mais à l'époque, c'était comme ça leur tenue en fait. Je me disais, ça fait vieux, mais ça fait pas vieux du tout. On est juste en 1800, je sais plus trop quoi là. Bon, c'est bon, je pense que ça ira. Ouais, je commence à m'habituer. Vous voyez, le jour commence à se lever aussi. La meuf qui a vendu son uniforme. Nope. Non. Ça me fait trop rire parce qu'il dit satané anglais alors que je sais que dans la version anglaise ça dit satané français. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Au revoir. Monsieur, je suis allée prendre le livre sans vous. Désolée. Et j'ai plus d'uniforme en fait. Je pense qu'on va se faire gronder. Normalement, on va se faire gronder. Black. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Au revoir, monsieur. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Oups. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous.
Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Que comptez-vous leur dire? Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ok. Let's go. Lucan Brattleby. Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là, Lucan. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont les oreilles, ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rogrud et d'Arlo. Nati. What do you mean, Nati? And also, where is the Poof Souffle in that story? Cette cape ornée de mystérieux motifs s'obtient en terminant des quêtes principales. Ok. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Ok, je vois. Ok, voici la carte du monde. La majorité de la carte est couverte de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. Ok. Les hameaux sont de petites communautés que vous trouverez partout dans le monde. D'accord. Voici le hameau Campolar en bas. Dans le hameau, vous trouverez de nouveaux marchands, des flammes de cheminette, des quêtes annexes et des objets à collectionner. Au fil de vos explorations, le brouillard qui recouvre votre carte se dissipera et révélera de nouvelles opportunités comme des hameaux, des cachots, des campements de bandits et bien plus encore.
Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok, mais par contre, j'ai pas de... J'ai pas de tenue, en fait. C'est un petit peu inadmissible, non, ma tenue? Elle est un peu... insupportable, je trouve. Oh mon dieu, je peux pas la porter. Faut que je laisse le temps au temps. Non? Je peux toujours pas? Là, je veux la porter maintenant, cette super cape. Ok, ça fait tenue. On va enlever le chapeau par contre. Ok. Bon, les gens, là, en vrai, je pense qu'on a fait pas mal. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Ce guide du sorcier est bien pratique. Arrête. Je suis ravie. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de récupérer un livre dans une bibliothèque, franchement. Mais bon, maintenant, je crois que je devrais m'habituer au fait que c'est assez compliqué. Après, j'ai mis difficile, donc faut pas non plus que je m'étonne, hein. Mais voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner à mon dortoir, me coucher. Non, c'est pas ici. Ici ? Ouais. Hop là. On va dormir. On va faire dodo. On n'a plus de tenue. La tristesse. Alors. Ok. Du coup, voilà. On va s'arrêter ici. En retournant se coucher, bien sûr. Parce que nous, on vit la nuit. Et on dort le jour. Voilà. Donc, voilà. On va s'arrêter ici. C'était plutôt long. Je pensais pas que ça allait être aussi long en vrai. Mais ça va. J'ai bien aimé quand même. Et bah voilà, c'était la session ASMR de Hogwarts Legacy parce qu'on devait faire silence dans la bibliothèque. Après, on s'est fait éclater la gueule, genre peut-être, je sais plus, 5 fois, 6, 7, 10, je sais plus. Mais on a réussi à récupérer le livre, on a trouvé 2 souvenirs et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé encore une fois et puis à la prochaine, j'espère que ma voix sera revenue. Et on va faire du truc assez calme, je pense, la prochaine fois. Genre juste des cours et parler aux gens parce que, et des quêtes annexes. Parce que là, franchement, déjà, on a besoin de s'améliorer. Et aussi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Peut-être apprendre des sorts, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà. Ok. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you.